Alors toi, tu t'appelles comment? Naïm. Il est pas verbal, Naïm. Naïm, en fait, il a 4 ans. Hein, Naïm, il va à la crèche. Un petit peu à l'école. Oui, il va un petit peu à l'école aussi. Donc, c'est sa maman. Il a quel âge? 4 ans. 4 ans. Et il va un peu en maternelle? Une fois par semaine, 1h30. Et il a une navette, c'est ça? Et sinon, il est ici? Il est ici trois matinées. Et puis sinon, il est aussi suivi au CAMS. Donc voilà. À côté, il a 4h30 de soins par semaine. D'accord. Voilà. Et il est également à l'école. Je pense que sa maman est tout à fait impressionnée. Et il a été diagnostiqué à quel âge? Alors, c'est moi qui s'en ai rendu compte, il n'avait même pas 2 ans. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rendu compte de quoi? Il criait beaucoup. En fait, il a un double handicap. Il n'y a pas que l'autisme. Non, je sais pas. Non. Il marche pas du tout? Non, il est en fauteuil. Non, il a un fauteuil derrière. Il est beau, hein? Merci. Il est très chic pour le président de la République. Il est très beau. Merci. Et alors, du coup, vous êtes allé où quand vous avez eu ce doute? Il était suivi depuis ses 19 jours au CHU de Rouen, au CAMS. Oui. Parce qu'il a fait une méningoencéphalie thérapeutique à 19 jours, donc il est laissé 24 heures à 48 heures. Et à l'âge de 1 an et demi, à peu près, il criait beaucoup. Donc il a continué à être suivi au collège du CHU. Et là, il est accompagné depuis? Depuis 2 ans, donc, en plus. Et il progresse? Beaucoup. Il comprend tout, ça se voit. Oui, il écoute ce que vous lui dites. Hein. On parle de toi. Tu sais qu'on parle de toi. Non. Oui, quand même. Il me regarde. Hein? Il y a du monde. Hein. Il y a Patricio aussi à côté, avec sa maman. Avec sa maman.